Et bonjour. Voilà, là t'es bon. Là t'es sur YouTube, là c'est bon. C'est le nain balai à chiottes. Voilà, c'est. Ouais, j'ai choisi une mission, ça te va? On l'a fait comme ça. Non, non. Relou. Il va s'ouvrir les veines. Allez, c'est parti. Ah, alors on va se faire la dernière mission qui me permet d'acheter, je sais plus quel pistolet là, c'est le... Attends, c'est le BRT quoi? Bonjour YouTube. Hein. C'est le BRT7 là, Burst Fire, le pistolet du... Ouais, j'ai un peu tous les flingues d'ailleurs, faudrait que je les sorte un peu. Faudrait que je sorte un peu les flingues pour montrer à quel point certains sont vraiment cool, et à quel point certains c'est de la merde. Voilà, je viens de vous les montrer en vrai. En vrai, je viens de vous les montrer. J'aime pas du tout le pistolet à plasma du driller, non, en fait. Non, je le trouve vraiment horrible. C'est vraiment infect. Par contre, ça c'est bien, hein, le stubby, le SMG voltaïque. Ça, il est très cool. Le bridge cutter. Pour l'instant, je vous les ai pas trop montrés parce que je veux encore qu'on discute un peu avec les gars de qu'est-ce que quelle optimisation en fait. Tu sauras pas encore. Faire des choses que tu ignores. Hey, attends, j'ai pas payé une bière, j'ai pas payé une bière. C'est tant mieux, et c'est tant mieux si YouTube ignore des choses. C'est quoi la. Ouais, mais alors par contre, ils ont raté quand même une heure de vidéo de on cherche un prétorien. J'avoue. Il faut le vivre. T'as pas une morkite, 1 parce que je suis pas très riche, 2 parce qu'on va pas chercher de la morkite et que ça sert à rien. Eh ben. Santé. Last you want to finish is a pointy-eared leaf lover. J'aime bien, ils ont le petit geste de poignet avant d'enclencher la montée de poignet. T'as vu? Ils vissent. Ils vissent. Ouais, ils vissent un peu le verre et après ils montent vers la bouche. Des vrais nains, quoi. Suit up. Let's roll. C'est parti. Petite chasse aux œufs qui va conclure cette arme-là. Drop sequence initiating. Je crois qu'après il m'en manquera plus du tout. Bah, je crois que d'ailleurs, en fait, la seule qui va me manquer, c'est le espèce de pistolet à Kilbo du gunner. Non, pas du gunner. Bah, justement, on est en train de débloquer le flingue du gunner. Ah. Non, là, c'est celui, les deux pistolets du. Plus son nom, mince. Comment il s'appelle? Jean-Luc, Jean-Michel. Tu vois Jean-Michel? Non, c'est l'éclaireur, tu vois. L'éclaireur, bah, c'est ça. Ah tu vois, les deux il a deviné flingues, tout seul. Alors Jean-Michel, est-ce que tu me parles de l'éclaireur par hasard? Non, est-ce que tu parles de Jean-Michel le driller ou Jean-Michel le l'éclaireur? C'était l'éclaireur. Non, le seul inconvénient de ces deux petits flingues pour l'éclaireur, à mon avis, c'est que pour augmenter la capacité en clip, tu sais, en chargeur, t'es obligé de t'asseoir sur des améliorations qui sont vraiment trop intéressantes. Donc en fait, ces flingues-là, tu jongles entre j'ai pas de munitions mais je fais ultra mal, ou alors je fais plus que moyennement mal et... Bah, de mission, après, mais ça dépend parce que si t'es dans la composante du garant du M1 garant, pourquoi pas avoir des armes qui font moins mal et qui sont destinées entre autres à éclater la petite meute plutôt que d'avoir des armes plus puissantes, puisque le M1 est quand même voilà, bon, il arrache les oreilles un peu. Et à un moment donné, sinon ça se casse ou vous allez vous envoyer comme ça tout ce que vous avez dans la grotte là. Mais ça va arrêter de braquer. Calme-toi. Tu te calmes. Ah, il y a une mer à merde déjà, j'annonce. Oh. Ouais. Alors nous les trouveuses, on appelle ça les mers à merde, une aventure marquante. Ah mais d'accord, ils ont fait tellement de trous qu'en fait maintenant on est dans la grotte du dessous, c'est pour ça qu'on prend encore des assauts. En fait là, tu peux déjà tomber dans la grotte du dessous. Quoi? T'es tombé? Non, je suis pas encore tombé, mais on peut tomber à cet endroit là. Sache-le. Ah, à l'endroit où je suis là il y a un trou, hein. Là, tu peux descendre. Non. Tu peux descendre d'un étage si tu le souhaites à n'importe quel moment. Bah attends, on va. Ta gueule, la merde des merdes, toi. Alors, putain! Je crois qu'il y en a encore des lootas. Des lootas bugsés. Ouais, j'ai posé une zipline pour descendre. Ah. Comme ça, si on tombe. Bien vu l'animal.
comme ça au moins on verra. D'ailleurs. Ah la sauce! Je suis sûr qu'il y a encore du lootas là. Putain, c'est rempli de lootbug à l'intérieur. Ah d'accord. Ouais, ah, c'est aussi rempli de plein de merde qui sont en train de te monter dessus. Ils arrivent à ton étage. Ils viennent me chercher moi spécifiquement. Tout ça parce que je connais. Ouais, parce que ils m'ont vu. Wow. Ils m'ont vu passer dans la grotte, ils se sont dit non, lui on s'en bat les couilles. Sérieux, vous bossez pour les banques ou quoi là? Vous êtes le service de sécurité de la banque? Je suis pris de l'or, vous en servez pas, bande de sauvages! Putain, c'est fou ça! Il y a un œuf qui est posé par terre. Ah, c'est le gros style. C'est toi qui l'a. Non, non? Pas non, toi qui l'a. Non, non, c'est le gros style. Mais lol. Oui, je le laisse en place pour que tu, le vois. Ah non, vas-y, vas-y. Non, non, regarde-le, regarde-le, il est magnifique. Oh, genre, oui, pour minier, t'as un coup, un coup de pioche à faire. Eh, hey, mais. Oh, mais non, mais quoi, mais vous, sérieux. Mais vous, comme ça. Sérieux, ouais, c'est clair. Pourquoi je gaspille mon gasoil contre ta sale gueule? Ça l'a pris. Pourquoi tu reconnais ce genre? Au revoir, Yuri. Red is dead. Il me reste combien? 150 balles. Ok. On part sur un petit massacre économique, hein. Je tiens à préciser, voilà. Tac, tac. Moi, je nous remplis de Nitra au cas où on aurait besoin de mun. Et ben, ok. Ça peut potentiellement. Je vais partir dans le même principe idéologique, hein. J'ai deux. J'ai deux trucs. Gloire au grand nain! Gloire au grand nain! Là, j'ai deux trucs de Nitra, donc j'appelle la bulle. Hein. Voilà, je t'informe. Non, mais avant que tu m'informes, en fait, j'ai vu la mule se barrer. En me disant, tiens, bah, il me reste de la Nitra, j'aurais pu vider, et puis tu vois. Bah, sinon, bah, rappelle-la vite fait. Hein. T'inquiète, vas-y. Attends, je vais me décharger vite fait. Je suis occupé par. Elle est pas très loin de toute façon. Je suis occupé par un petit comité d'accueil. Là on a de quoi appeler si tu veux. Et tu peux rappeler donc Mulette Proof. C'est fait. Mulette Proof. Bah ouais, elle résiste aux balles, aux cartouches, tout ce que tu veux. Ah oh, ça fait. J'ai pris l'œuf. Ça a pas déclenché de. Moi j'avoue, je voudrais avoir une armure qui est Mulette Proof. Hein. Je t'avoue tout. Hein. T'es résistant bah ouais. Aux cliffites, t'es résistant aux acides, aux toxiques, aux explosions, aux par contre t'es pas. Par contre t'es pas résistant à l'agro. Parce que j'ai vu tu sais le gros prétorien orange là. Ouais. Il faut casser la coque. Et bah je l'ai vu prendre l'agro sur la mule plutôt que sur moi, parce qu'elle était en train d'arriver. Ouais d'accord, mais bon c'est indestructible, donc tu t'en fous. On peut te taper dessus jusqu'à demain. Alors à la fois tu le regardes même comme ça de travers, tu fais lol. Lol. Sa tête, on a rien à foutre. Je lui dis, tu frappes comme une mauviette, Billy. Dis à Billy qu'il ne reverra pas son papa pour Noël. En vrai, j'avoue, tout le monde porte un masque. C'était le film qui était fait pour lui. Hein. Ah, bah clairement. Tout le monde porte un masque, c'est une métaphore. Un symbole. Ouais, faudrait que je fasse un petit escalier comme ça. Allez. Alors, assez smooth alors, d'après ce que j'ai compris. Genre là, ouais, c'est ça, c'est déjà plus assez smooth. Bah, il est smooth, mais voilà. En fait, j'aurais dû partir directement comme ça. Du coup, on va le refaire un peu, voilà. On aime les choses qui seront jolies ici. On aime l'esthétisme, on aime le travail français, monsieur. On aime l'esthétisme. Oh, y'a de la jadis. Voilà. On aime l'esthétique, les arts plastiques, tout ce qui termine en hic, la trique. Et même les arbres en plastique. Ouais, mais tout ce qui termine en hic. Tout ce qui est en hic. Le bioplastique. J'ai une bonne grosse trique, ça passe. Grosse trique. Mais oui, mais allez. Ah, mais je suis revenu dans la salle de départ. Mais dans la salle de départ, mais en fait, j'ai pas fait gaffe. Sous la capsule, il y a un œuf à récupérer. Lol. Bah oui. Je te jure, il y a un œuf à récupérer. Moi je suis dans une salle où il y aura trois œufs à récupérer. 2-3 œufs. Ouais, attention, ça va être peut-être dans la salle où t'es du coup. Parce que faut que je descende vu que c'est sous la caps. Ah, je sais pas où t'es là par rapport à moi. Bah Mordrak à 17 mètres, oui, bah oui. Je pense que tu me parles d'un des. Bah tu retournes au début, dans le trou où tu parlais, j'ai posé une zipline. Pour qu'on puisse te remonter ici. Et
Moi, je suis parti pour trouver la mère des merdes parce qu'elle me saoule. Alors là, j'ai deux solutions. Soit je perce et je viens juste chez toi. Ouais. Que je perce au bon endroit. Surtout que je suis dans des couloirs où j'ai besoin. Je suis un génie. Ouah, ça fait super mal. Ouah, je vais mourir. Ouah, je suis mort. T'es où? Ah bah t'es juste là. Ouais, mourir. Pas gaffe, un boomer. Ça arrive sur toi. Ça arrive sur toi. Moi, je suis un Américain. Moi, je m'en bats les couilles. America, fuck yeah. Always here to save the motherfucking day. Oh, la sauce. Dame de cul. Attendez, deux secondes, je leur lève. Merci. Allez. Ah, pardon. Merci, très sympa. Cool, merci, j'avais toute ma vie. Oui, je sais. Ça, merci, c'est sympa. C'est sympa, vraiment, ça j'avais toute plaisir. Ma vie, hein. Vraiment, elle était bien, ma c'est vie. C'est pour hein. Moi, ça me fait plaisir, régale-toi. Sale bâtard. Si tu veux. Ah, tu sais, non, je l'ai, bien. J'ai la mère des merdes. Je l'ai en vision. Je vais t'éclater ta race, salope. Je lui ai mis le feu au cul. Tu fais gaffe parce qu'il y a une grosse charge et ça a pas l'air de venir sur moi. Hein. Ok, c'est sur moi, j'ai rien dit. Non, je non, le sais. C'est sur moi aussi. Okay. C'est sur moi aussi. Bon bah je t'attends dans la salle hein. Là où il y a des reviens, là où il y a des dis que je suis par là hein. Quoi, c'est pas le même couloir? Alors si tu pouvais éviter de te poser parce que c'est pas trop le moment en fait. Ah je me doute mais je suis un peu poursuivi. Frédégonde, elle est poursuivie par un ours. Il y a deux explosifs qui te courent après. Ouais, je sais. Mais j'aime leur foutre les matières. Je sais plus où je suis. Je sais plus où je suis. Je suis près d'une gelée. Il y a des murs là, il triche là. Oh non, sac de merde. J'ai peur. Non, je là-bas. Ah, excusez-moi, hein, vous dites si je vous dérange vraiment, si vraiment j'ai pas le droit de vivre. Exprimez-vous. Ah, je suis mort, parfait. T'es mort? Ça m'arrange pas. Ouais, je suis tombé. On te regarde avec amour et attention. Alors, il y a un prétor sur moi, une prétorienne va. Un explosif qui vient de se faire sauter, non? Ah non, il est pas venu se faire sauter. Il vient t'agresser, ça y est. Ouais, je me doute. Il vient de t'agresser. Point sur les munitions, oh ça va, je suis là. Ouais, de toute façon, les munitions sont à côté de moi, monsieur. Donc, y a pas. Pas tortillé du chiot pendant 107 ans. Là, il y a globalement pas grand monde autour de moi. Il reste deux clodos là. Un clodo. Coucou. Ah, je vous remercie, monsieur. C'est fort aimable à vous. Attention. Oh, il vous en prie. Attention, petite flamme. L'ambiance sera chaude ce soir. Bon, mais on se réchauffe. Attention, ta boomer. Merci. Je t'en prie. Oh, des munitions. Moi qui croyais ne jamais en revoir de ma vie. Ok. Bon, il y a plein de nitra dans cette caverne là. Hein. Faut la saigner un peu. Hein. Ah non, mais il y a plein de trucs partout. Tu te rends pas compte. Là, en allant me balader à gauche à droite, je me suis rendu compte que ouais. Vu que sur ta caverne déjà, il y avait du jadis et tout. Ouais, c'est du lourd. D'ailleurs, tu l'as récupéré jadis d'ici là? Non. Celle qui est au bout de la zipline? Ouais, tu l'as récupéré? Celle qui est au bout là, ouais. Je l'ai récupéré. Je crois que tu en as qu'une, ouais, c'est celle-là. Ouais.
Par contre, on va être gavé de mune, ça, ça fait plaisir. Ouais. Est-ce que t'es chaud pour les embrouilles? Ah, attends, il y a peu d'or là d'abord. Je vais d'abord récupérer de l'or. J'aurais bien aimé, ouais. Utiliser le temps qu'on a pour pouvoir miner un max. Parce que je te dis, cette caverne c'est Alibaba. C'est... Attention, il y a de l'or aussi là où il y a cet œuf. Hein. Ils ont caché de l'or un peu partout. Ah, ils ont décidé d'être généreux. Merci Jean-Marc. Surfaite à l'infini. Bah ouais, je pense. Danser avec les gens riches. Voilà. Bah non, mais puis t'as de la chance que je connaisse la référence parce que question télé-réalité, je suis pas calé, donc genre je me serais dit. Tout le monde le connaît, Jean-Marc Généreux. Il y a eu des trucs sur lui qui ont circulé sur internet parce que c'est un. Tabarnak, là, tu danses comme solo. Ah, j'aime beaucoup. Parce que c'est un Québécois. J'achète. Il surtranspire la vie, hein. Ah, il surtranspire l'improvisation. Il surtranspire tout, en fait. Ouais. Mais c'est j'achète, j'achète. Les Québécois, je trouve que c'est vraiment des gens qui surtranspirent la vie, quoi. T'as l'impression que c'est. Ouais, mais c'est ça. Sur... Je sais pas. Ils ont l'air heureux tout le temps. C'est bizarre. Très étrange, le Québécois. Tabarouache, là. Pourquoi qu'on serait pas tellement généreux? Bah le truc, c'est que moi, je suis un parigot, donc forcément, si tu veux, le bonheur, les gens heureux. Oh là là. Pas, tu vois, c'est étranger à mes concepts de vie originels. Ah, je vois ça, ouais. Non, nous trouvons le bonheur éventuellement, oui, dans la destruction de la vie d'autrui. Évidemment. En prenant la place d'autrui. Voilà, c'est comme ça exactement que ça se passe. Mais au secours, quoi. Faudrait. Mec, j'ai des vraies expériences professionnelles, on m'a volé ma place comme ça. Ah et, ouais. Et on savait qu'on me collait au chômage et les gens n'avaient rien à foutre, quoi. Et où perso, je pense. Ah bah après j'ai envie de te dire moi selon mes croyances, rendu à la fin, il y en a un ou deux qui vont en chier sur le compte de points quoi. Ah ouais. Après attention hein, si on écoute leur problème c'est par pas... définition monsieur on est des rôlistes donc on est condamné à l'enfer. Oh yeah. Tout ce qui est comédien et tout ça. Ah si. Ah bah selon l'église monsieur si. Ah si. Ah oui mais moi je suis au Moyen Âge on aurait même été excommunié hein. Ah bah oui. Moi je suis. Ah ouais mais moi je suis plus. Il est écrit dans la Bible du Christ que ah mais être je me torche avec la Bible aussi. C'est ah c'est Abdelaziz qui a bien mangé. C'est ça. Alors t'es menu. Le dimanche 24 avril 2019 vous avez pas été très à la pas très t'es pas très à la tout ça. Un peu à la. Quoi moi? Le 27 avril 2019. Mais non. C'est à la période. Comme... C'est la petite saucisse, c'était pas du poulet. Les petites saucisses, c'était pas du poulet. Mais non. Voilà, moi je pensais que c'était du poulet. Ouais, mais à cause de ces petites saucisses, vous avez perdu les points nécessaires pour rentrer au paradis. Quoi? Culé. Voilà pour une petite saucisse que j'étais pas au courant. Je suis allé rouler, tout ça. Vous saviez, ça sentait un peu le cochon quand même, hein. Ouais, parce que c'est ça en fait le truc surtout qui va être terrible pour les musulmans, c'est manger du cochon sans faire exprès. Parce ouais. Qu'un babtou t'a dit non, t'es gâté c'est pas du cochon et en fait t'as mangé du cochon. Mais quelque part, si t'avais le doute que c'était du cochon parce que justement ça sentait pas le poulet ni la dinde, personne t'a mis un flingue sur la tempe. C'est ça, est-ce que quelque part tu n'as pas pêché volontairement? Par omission en fait, comme c'est bien la foi. Voilà, on en revient au vieux débat philosophique. Ouais, bah oui, débat. Ils sont très. Oui, ouais, sur comme d'habitude gaming, on se permet tous les débats, on s'en bat les couilles. Hein. Nous, la bienséance, sur comme d'hab, on s'en bat les doigts. Hein. Si vous voulez de la bienséance, vous allez vous abonner chez Suzy. Merci, au revoir. Cassez-vous. Voilà, si vous voulez des gens gentils, allez voir Mister MV, Zerator, les... voilà, des susboules là. Non, je dis quoi? Quoi? J'étais en train de me dire quoi? Il y a des gens qui étaient en train de me dire oui, c'est pas bien, vous dites de la merde. Non, bah, c'est non, moi je suis de la merde. Live, déjà. Attends, là, il faudrait que je supporte les gens et tout. Non, attends, t'es fou quoi. Ouais, non, mais c'est ça. J'ai déjà du mal avec tout ce qui bouge et qui respire. Et des fois, quand j'ai la migraine, j'ai même du mal avec tout ce qui bouge pas et tout ce qui respire pas. Bon, c'est pas pour taper du stream, bordel de merde. Accuse, ça tombe les couilles.
Mais en fait, c'est surtout que j'arrive pas à comprendre le concept des gens qui restent, qui passent leur journée à regarder des gens. J'ai beaucoup de mal. Je ne comprends pas. Ça a cuté de l'autre côté. Pour moi, ça me donne l'impression de retourner quand j'avais 10 ans, d'aller chez un pote qui vient d'avoir une Super Nintendo ou une Mega Drive. Fait, tu viens, on va la tester. Puis tout l'après-midi, en fait, le type garde la manette. Il te fait ouais, dans deux minutes, je te la file. Attends, je te montre un truc. Oui. Bah, là, c'est différent parce que déjà, petit 1, rien ne t'empêche de jouer en parallèle. Et deux, c'est faut avoir le PC qui fait tourner les deux. Hein. Quelque part, c'est une alternative à la télévision. Oui, bien que toi, à l'heure d'aujourd'hui, qui possède un PC qui ne peut rien faire tourner en même temps. Non, je t'assure qu'il n'y a pas que moi. Il y a surtout toi. Je t'assure. Je t'assure, il y a plein de gens qui ont des plus moins bien que déjà, il y a des gens qui pop. Non, j'ai ma Jadiz. Rappelle la vie. Hop, je viens de prêter après. C'est surtout que j'ai les deux dernières. J'ai les deux dernières clés qu'il faut trouver. Et figure-toi que c'est la salle de départ. Lol. Oh putain, c'est ça le portable. Bon bah, je me fais agresser aussi. Casse-toi toi. Mais je t'ai tiré dedans l'autre. L'autre elle m'attrape alors que je l'ai flingué. Vieille pute. Ah non, tu me lâches pas là. Ouais, là tu me lâches pas, vas-y. Là c'est bien. Fais gaffe, y'a un grabbeur qui arrive sur toi. Ah non, non, ici c'est moins cool. Non, pas là. Ouais, là, ouais, ça va. Ouais, ça va. Ah, ok, tu vas lâcher dans la vague. Nice, dans la vague terroriste. Non, lâchez-moi. Alors, y'a de l'or ici, ça c'est bon à savoir. Hein. C'est quand même bon à savoir, on découvre quand même des choses intéressantes pendant les assauts. Moi je respecte ça. Je vais pas tarder à tomber je pense. Hein. Je travaille sur Ninja Gaiden, hein, tu vois. J'ai pensé le game ma gueule. Arrête de bouger. Voilà, parfait. Bon lui il est mort, ça c'est réglé. Moi je vais te cramer. Cramage qui se rapporte au plumage, c'est toujours bien pour ce que t'as. Moi je vais te plastiquer, salut. Ah mais y'en a deux. J'en ai plastiqué un déjà. Ok, toi il te reste combien de vie là? Je peux savoir là, avant de te tirer. Ça va ma gueule? Ah y'a un cracheur d'acide au plafond, tu peux le sortir là. Bon merci, je l'ai sorti. Ouvert. Bon, par contre je rappelle la mulasse. Pas de problème. Il est où le passage? Ouais, moi j'avais repéré de l'or du coup là-haut. Pas étrange hein, moi je connais mal cette région hein, là. C'est pas trop ma région là. C'est pas trop mon pays. C'est pas trop mon pays. Ouais, je suis poursuivi par où là. Vous savez, je peux trouver l'office de tourisme s'il vous plaît, monsieur dame. Attends, il y a un peu d'un je t'ai pas vu là. Oh, je t'ai pas vu, enculé. C'est près de l'hôtel de torture. J'ai pas la ref. Moi non plus. C'était en mode. C'était en mode random, la blague. L'inspiration. C'est... La référence c'était toi-même. Incroyable, le mec s'auto-réfère à lui-même, il s'auto-cite, c'est incroyable, c'est fou. Il a pas de problème de droit d'auteur. Au revoir l'article 13. Le mec s'auto-cite pendant qu'il crée ce qu'il est en train de dire, quoi, quand même. Ah, c'est beau. Non, c'est parce que ce que tu m'as dit m'a inspiré le fait de me retrouver dans une ville orque où je demande l'office de tourisme et où le mec me répond bah, c'est à côté de l'hôtel. Ah oui, l'hôtel de ville? Non, l'hôtel de torture. Ah, d'accord, c'est charmant ici. C'est gentillet. Ça veut dire quoi, charmant? c'est qui charmant? Incroyable QTE. Donc tu m'as dit faut retourner à la salle du début. Ouais, normalement t'as une tyrolienne qui y amène quoi. Oh je vois un œuf. Le truc c'est que moi aussi je suis paumé hein, donc Ah attends, je suis passé par là je crois. Je suis juste devant lui. D'accord. Ah bonjour monsieur. Voilà, donc là il y en a plein là, tu vois. Donc je voulais qu'on tape les embrouilles ici.
t'étais chaud. Ah, par contre, il y a un gros avantage sur cette mule, c'est qu'elle est pas très grande. Où est-ce qu'il est disparu l'œuf? Ah bah, c'est moi que je l'ai. Bien, vas-y, je te laisse t'embrouiller avec. C'est ton job. Je trouve que tu fais ça super bien en plus. Si tu veux mon avis. Hein. Si tu veux mon avis, moi je trouve que c'est ça. Oh bah, c'est une vocation. Ok, cool. C'est une vocation. C'est de père en fils, hein. Ça se pratique. Même l'hiver quand il fait froid. Surtout l'hiver quand il fait froid. Je te laisse creuser jusqu'à l'œuf. Bah, je pense qu'il a disparu dans un warp. Il a. Tu du mauvais Toshi. Bon, attends, déjà je vais ouvrir ici. En bas à droite. Donc il y en a un qui est là. Hop là. Ah bah merde. Oh là. Ah bah je suis tombé. Ah bah je suis béton. Ah bah j'ai tombé. Bah ouais, mais je suis mort. Quoi? Bah oui. J'essaie de me remettre en. Ouais, bon, c'est mort. Attention, il y a un trou. Il y a un trou quelque part, fais gaffe. Hein. On pourrait pas rester dans ce trou parce que s'il y a un mover qui se pointe, tu vas pas aimer ça. Je sais. Et tu vas mourir, mec. Aïe aïe aïe. Tu vas mourir, mec. Fais pas ça. Fais pas ça. Aïe, aïe. Arrache-toi une tyrolienne, ma gueule. Oh, tiens, une petite zip là. Voilà, c'est bon, là, t'as ton chip. Ça va bien se passer. Petit crash hors de toi, l'histoire d'être sûr. Qui est derrière la bulle, voilà, c'est ça. Voilà, t'as la paix, t'as la tranquillité. Et le beurre de karité. On t'a bien senti. Oh, c'est bien l'apnée. Ça s'est passé comment l'apnée? Dis-moi, c'est cool. Tu as la paix. C'était bien. Tu as la paix, la tranquillité et le beurre de karité, c'était ça? C'est ça, ouais. Bon, on venait d'où? Parce que j'étais occupé, moi, avant qu'ils m'attaquent. Il fallait remonter par là. Voilà. Je suis exactement de mon côté, par là où tu vas. Si, c'est bon. C'est genre par là. Non, par contre, c'était pas du tout par là. C'est la grande galerie principale. Remonte ton boule. Remonte ton boule. Ah, mais il reste des munitions là-bas. Et c'est là. Ouais, d'ailleurs tu parles de munitions. Je vais chercher la dernière mule quand même, parce que pas de gaspillage. Oui. Bah moi je vais en commander à l'intérieur de la. Yes, bien sûr, ne te jette point. Suicide guy. Voilà. Et est-ce qu'il restait deux munitions? Bah je vais prendre les deux et puis je suis réglé, je suis parfait. Je suis parfait. Bon, tout le monde sait que je suis un homme parfait, mais voilà, là je suis parfait, de type parfait quoi. Je suis parfaitement refait quoi. Parfaitement pas parfait. Paf. Ah, on va se mettre sur la map hein. J'ai rien à chourer là hein. NON. Putain. Ah, s'il reste un œuf à péta quelque part hein, visiblement. Oh, non, je voulais pas prendre cette zip là. Qu'est-ce qui t'arrive Mordrake? T'as l'air de bien le vivre là. Ouais, je vis plutôt bien. C'était par là. Allez, la mule là! Bulette. Va niquer ta mère, sa race! Ah, d'accord, allez. On est là, ça tourne mal! Ouais, lol! Management will be pleased. Voilà! J'ai plus qu'à te retrouver, moi! La partie drôle! Je le retrouve pas, je vais me retrouver! J'espère! Ok, je vais me faire enculer! J'ai compris! Au revoir les mobs. Je suis obligé d'enlarger ce couloir, hein. Je suis désolé, hein. je trouvais pas joli, j'étais obligé de. Ah ouais, hein. Question. Mais j'ai pas repris de munitions. J'ai plus de munitions. J'en ai plein. J'ai plutôt derrière une nulle pack parce que là normalement j'ai assez pour couvrir tout ce que tu veux. Je t'ai posé un bouclier. Ah, il y a du litre en haut, il a pas été pris. Roger that, supplies are coming. Oh yeah. Ah mais c'est bon hein, je l'ai calmé la vague hein. C'est bon. Ils sont calmés les messieurs hein. Impeccable, moi je me tape de lui. Ah merde. Non mais incoming quand j'aurai toutes mes munes déjà. Ce sera une incoming quand j'aurai toutes mes munes. Ah, allez-y, envoyez la purée. Grenade comme ça, voilà. Ah là on se régale là, on se régale, tiens un peu. On se un peu.
Voilà. Là, c'est la bonne. On se régale, hein. La cuisson sur pierre, en plus, hein. La cuisson sur pierre comme on l'aime. Ouais, calme-toi, toi. Voilà. La cuisson sur pierre comme on l'aime, hein, sûr. Oh, bien bouché. Je vais récupérer mon Ifra, hein, les attention, voilà. Ifra, je vais le récupérer. Je m'en balais, je m'en balais. C'est super. Yolo! Allo! Allo! C'est Madame Ledoux! Madame Ledoux! On n'est pas bien aidé! Mais encore des clients. Moi, ah oui, mais il y aurait de la jadis dans le coin ou ce serait de la jadis dans le coin ou bien. Ah, tu crois qu'il y en a encore là? Ou je l'ai pris. Tu l'avais déjà pris toi? Non, mais je l'ai déjà pris. C'est juste que j'ai vu Snitra, donc je me suis dit il me faut Snitra. Je sais pas pourquoi, mais il me faut Snitra. Clairement, c'est genre en plus t'avais déjà envoyé le tyrolienne là. C'est vraiment le Nitra de notre vie. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais toi? Va manger ta mère. Il voulait savoir si ça pouvait être aussi le Nitra de sa vie. Il avait c'est ça d'avis. C'est le Nitra de votre vie. Alors, bon bah c'est bon. Ah, aller, ça hein. Ramène ici. Oh. Bah bon, oui, on peut. On se casse. On n'est pas de là. Je te laisse vider ta sacoche. Ah, le petit boomer sacoche, de merde. Petit tour de munitions peut-être. Ouais, j'en prends une. Parce que l'enslave, je l'ai vidé comme un cochon. Je crois qu'il y a quelque chose qui arrive. T'as pas besoin d'autres munitions? Non, ouais, je suis pas. Ok. Prends-le. Je fonce dessus, moi. De toute façon, t'as vu la taille de la grotte, on sera sorti en moins de deux. Tu t'es déchargé dans le mule? Vite. Ouais, je le ferai. Non, c'est bon. Vas-y, décharge. Non, mais c'est bon. Ok, c'est parti. Alors, est-ce hein que je fais mon... C'est bon, je me suis déjà. C'est... Oh là, ça a saturé. Oula. Ah, là, on sent que j'enregistre. Hein. Oh, de mon côté, c'est infâme. Mais on y croit. Je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, moi aussi. Comme ça, on est deux. Est-ce qu'on creuserait pas Ah, bah non. Pourquoi c'est déjà creusé? C'est déjà fait, monsieur. De qualité. Et pourquoi tu voulais faire le bâtard de quoi? Je sais pas de ce que tu dis, mais je suis d'accord avec toi. bâtard de je ne sais pas, non. Je pense que tu as mal compris ce que je voulais dire, mais je pense qu'on est d'accord. Oh, c'est bien les États-Unis quand même. Mais heureusement pourquoi il y a des munitions là? Parce qu'il y a des munitions ici, pourquoi tu ramènes ton boule là? Allez! Non? Allez! Non, je m'amuse trop. Ah, le mec, il va t'amener en XP. Calmez-vous. Faut arrêter d'allumer le feu comme ça, monsieur. Mettez-vous. Mettez-vous. Ah putain, l'autre qu'on peut. Merci plus, Alain. Ah merci putain, Alain. Alain quoi, Finkielkraut. Alain Finky, ah mon Finky. Finkielkraut. Ah la Finkielkraut. Ah vieux connard quoi. Ah, j'avoue. Mais taisez-vous! Non, mais déjà, c'est putain. Un débat, monsieur, donc tu te tais, toi? Il faut qu'un jour on puisse revoir des intellectuels à la télévision, quand même, parce qu'il y en a marre de voir des gros. C'est pour demain mais que bon, ça va arriver. Quand tu vois que la télévision aime bien te vendre BHL comme un philosophe, alors. Un philosophe milliardaire? Alors qu'en plus, tous les philosophes le détestent, mais genre tous. Mais ils le détestent en plus, quoi. Mais oui! Mais parce que c'est pas un philosophe, le type. Tu regardes bien la carrière de BHL, tout ce qu'il s'est contenté de faire, c'est écrire 2-3 papiers pour dire oui, je suis un fait. Derrière, il a fait tous les plateaux télé, il s'est mis copain avec tous les gens du showbiz, et bim. Non, t'as oublié quand même quelque chose de très important sur la carrière de BHL, monsieur. BHL. Il fait partie du CRIF ? Non, est un faiseur de guerre. Ah oui, c'est pas faux.
Non, parce que la paix, l'amour, c'est beau. Par contre, dès que ça touche aux intérêts de ses potes, faites la guerre. Ces gens ne devraient pas vivre. Et on dira pas qui sont ses potes. Voilà. Wow, déjà, c'est vrai. Enfin, c'est sa patrie. Tu le regardes. Tu veux mon regard, hein? Envie de dire. Non, mais bah, j'aime bien comme il le présente. Oui. Ah ouais, ouais, j'ai eu des problèmes avec BHL, Bernard-Henri Lévy. Ouais, le philosophe. Si, c'est possible. Si. Ah, je le trouve tellement énorme sur sa façon de critiquer, de déconstruire un truc, de trouver un défaut ou une caricature et d'aller à fond dedans, quoi. Eh ben écoute, c'est un bel épisode pour YouTube, tu peux leur faire des bisous, ils auront tout. Ils ont eu de la philosophie, une mission qui a été bouclée, c'est un nouveau flingue qui a été acheté. C'est beau. Mais pas 100% amélioré, hein. Je suis désolé, hein. Je suis un peu pauvre en ressources, j'ai dû remonter tous mes gars. Donc c'était quelque chose, et puis il y en a quand même déjà quelques-uns qui ont passé leur promotion quoi. Donc voilà. Bah sur ce, on vous fait des bisous. Des bisous.